Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Fonds assistance économique et sociale FAES, dans tête collée à délégation départementale l'Ouest. Distribué samedi qui était 17 avril l'an, kit alimentaire by citoyens dans la commune Kinskoff. Dans lundi 19 avril l'an, autorité a distribué tout, plus passé 3000 plates mangées by citoyens dans Simon Pelé, commune Cité Soleil. Yon démarche qui visait et des mounes qui pi pas capable. Louis-Nel Jean-Louis et Maxo Joseph Abdino plus dans compte rendu ça. Il y a plusieurs centaines de citoyens dans Fojac, commune Pétionville, qui recevoir kit alimentaire samedi 17 avril là. Président commission communale Pétionville là, Kessner Normil, bay garanti distribution va continuer dans l'autre zone dans la commune là. Distribution ça qui est fait, c'est grâce avec président de la République là, première dame là, directeur général FAES avec délégué départemental l'Ouest. Et Jean président dit que n'a continuer distribution, c'est pas partiellement, n'a touché presque toute section communale. Le président Bayo Route, ensemble avec le ministre des publics dans la mairie, Bayo Route, je pense que je vais demander pour faire plus pour mettre plus de discipline pour que je ne mange ça. Pour lundi 19 avril, la distribution aura poursuivre dans Simon Pelé, commune Cité Soleil, côté environ 3000 citoyens recevoir la chaud. Ils ont des marches qui ont félicité. Pendant que vous souhaitez le programme continuer. On peut parler lui-même, c'est ça le toujours obtenu. Et qu'il est pour soit l'État ou le président de pays. Et vinn bay on ti aide dans la manger cuite au dimanche dans diri cui tout monde capable constater li nous accueillons nous assez bien so Jean l'autre zone et remet faire les machines yo entrer yo bouler yo craser nous pas craser parce que l'on les machines dans zone nous bouler yo craser sinon ou faire grand sur chauffeur ou son monde qui vinn distribuer manger yo les ça c'est pareil pas ou faire et nous féliciter FAES qui apporte pendant en pile activité dans pays a et mais nous même dans Simon Pelé. Et nous sommes bras ouverts et FAES, qui est toujours là pour aider nous. Et nous avons encore et encore, parce que le peuple a besoin de ça. Nous allons continuer ni manger cuit, ni manger cru. Parce que quand on mange cuit, je dis à la, on ne va pas manger les fins, on va soulager. Mais là, on a une distribution manger cuit, on a des kits qui ont un petit dur, un petit poids, un petit huile. Ça, en tout cas, plus à améliorer les besoins autour. Démarche ça, rentrer dans le cadre GFO administration en place là, pour accompagner Silayo, qui est dans une situation économique difficile. Environ 2 mois depuis l'arrivée en tête institution, nouveau coordonnatrice programme national cantine scolaire, Gina Delatour, lancé programme cantine dans l'école pour l'année 2021 dans le département nord-ouest. Plusieurs communes dans le département ça déjà commencé avec exercice distribuer manger par élèves l'école différentes catégories. Esaïe Aurélus avec Bernard Marseille a présenté nous un compte rendu. Département Nord-Ouest, c'est le premier département qui recevait le programme national cantine scolaire pour l'année 2021. Le programme ça a été campé depuis quelques temps pour recommencer dans le bénéfice d'élèves de l'école publique ou privée. Pour qu'on y a différentes communes, département ça a recevoir des produits alimentaires et matériels pour permettre aux élèves de l'école de recevoir un plat chaud. Ils ont des marches, les élèves bénéficiaires ont applaudi. C'est le plus gros bagage que vous avez fait pour nous parce que les élèves vraiment des élèves faiblesse qu'on a eu à terre. Tellement que des fois on pas manger on va revenir à l'école. Il y a une certaine contente pour une initiative ça que on prend. L'on prend le cas d'un élève qui a sorti dans une zone qui est très éloignée. Donc l'élève ça a fait toute initiative pour arriver à l'école en bonne heure à 6 heures. Et puis l'élève ça a qui n'a pas de temps pour un la caille. Donc l'élève que l'élève là, il commence à prendre midi pour 1 heure. Donc l'élève là grand goût, ça compte permettre que les rater professeur. Donc, bagaille ça qui vient poser un pile problème, surtout dans le moment examen. Yo. Donc, élève ça, il vient à baratement, au qu'on a un niveau réussite là, très bas pour l'ICA. Tant que l'élève l'école, quelques responsables de l'école remercient les dirigeants PNCS yo, qui décident de retourner à la cantine dans l'école. Yo. Yo et quoi, ça peut permettre de jouer plus rendement sur le plan éducatif. Souvent, si vous venez à l'école, vous pas qu'à Kembe, parce que vous avez un grand goût. Vous avez sorti de loin, comme nous. Là, vous venez là, vous venez vide. Pour faire ce travail, c'est comme si vous la mais vous pas la vraie. Pour ça, nous disons merci avec excellence, nous, Jomo, et puis Mme Martine, qui a fait un gros choix, choisi Mme Guillet
pour représenter PNCS au niveau national pays. Il y a un proverbe qui dit « vente affamée par les oreilles ». Si vous avez une nécessité, et ça te permet que le rendement scolaire te diminue tout, parce que vous n'avez pas de gain, vous avez plat chaud, vous êtes capable de prendre chaque jour. Mais grâce à PNCS, je dis à nous content que PNCS pote manger pour nous, pour que nous soyons capables de joindre un plat chaud chaque jour dans l'école. Là. Et nous battons gros bravo pour PNCS et nous souhaitons que PNCS continue à aider nous. Coordonnatrice générale PNCS, là, Gina de la Tour, fait qu'on est, c'est une obligation de l'État gagner pour supporter les gens qui ont plus besoin. Yo. Pendant le rappel, l'importance cantine dans l'école, yo, li promet pour travail, pour des matchs, ça a toujours été. Manger dans la cantine et me songer chaque fois mal dans la cantine. Que ça, c'était un plaisir pour moi. Et manger à tout le dans la dignité, je suis un réfectoire, je suis aller et une belle cuisine, je suis un bel travail qui est fait dans la question. Parce que ce programme, je connais très bien. Je suis bénéficiaire de programme et c'est l'histoire ça qui permet que je vienne dans ce programme officiellement sous coordination PAM dans le niveau département Nord-Ouest. Et PNCS vient plus passer 20 ans d'existence. Donc ça veut dire que c'est un programme. Si on te dit un projet, il n'y a pas de période. Mais son programme lié, il là, il doit exister tout le temps. Et il vient plus passer 20 ans, ça veut dire déjà son programme qui est viable. Pour l'année 2021, responsable cantine scolaire yo fait qu'on est, ils entendent bah 1 400 000 timoun manger à travers le pays en attendant yo plus fait plus. Pendant l'activité lancement, ça, ils ont profité de remettre 4 motocyclettes à Moun qui pourraient superviser le programme dans le département. Avec Espace Réflexion Recherche et Action, ERA, qui a organisé 4e édition Journal Livre dimanche 18 avril 2021 dans le local Université Valparaiso, dans Port-de-Paix. Une activité intellectuelle et culturelle qui réunit élèves et étudiants dans plusieurs écoles secondaires et universités dans la ville, et puis plusieurs hôtels livres, sans compter même classe intellectuelle nord-ouest là, qui te répondent présent. On a invité nous suivre, yon bout. Animation culturelle, conférence débat, présentation Eve, divers hôtels haïtiens, tant qu'étrangers, côté divers panels, te constitués avec écoliers et puis universitaires, c'est quelques parmi activités qui étaient inscrites dans le menu journée livre. Une initiative qui visait susciter intérêt lecture bon côté public là, notamment la jeunesse, ça qui est capable d'aider dans diminuer taux de délinquance juvénile, d'après le président comité ERA, professeur Michel Fednel. Quatrième édition dit un pile bagaille pour nous, parce que c'est une activité nous créée pour nous capables de faire promotion pour lecture, faire promotion pour livre. Et encourager les gens en général, mais surtout encourager les jeunes à lire parce que c'est une activité qui est faite avec élèves de l'école et étudiants dans l'université. Donc c'est l'idée en pile bagaille pour nous, pour ça nous compter, en fait, pour ça nous gagner comme attente que ça doit faire sur jeunesse en particulier et sur le public là en général. Pendant 4 années, IRA a organisé l'activité ça, une satisfaction, c'est témoignage jeune sous envie, yo vin gagner la caillou pour faire l'activité. Il y a un peu l'impact qui fait sur jeune et en plus nous gagnons, il y a plusieurs jeunes qui témoignent nous de que édition, en fait, journée libre là, c'est une activité qui juste. Et déclencher la caillou l'amour pour lire, pour lire. Donc j'ai juste commencé à lire et puis j'ai continué à lire. Donc il y a des jeunes qu'on est là, puis bons amis ont ces livres à cause de l'activité ça pendant les 3 premières éditions. N'a pas rappelé, pendant 4e édition, un participant ont eu une chance de faire connaissance avec un pile ouvrage parmi eux. Préface l'infini, Luc-Ner Casséus, COVID-19, Dieu est au secours d'Haïti, pasteur Chélène Aurélien, gouverneur de la Rosée, Jacques Romain, le métier d'étudiant, Jean-Hérol Christophe, Haïti, la nation écartelée entre plan américain et projet national fruit des hommes, pour ne citer livre à côté, ça ou seulement. Depuis, c'était Capo la mort pour le père, Mok Edi Osam, antenne télévision d'État. Premier ministre AI, Dr. Claude Joseph, rencontré samedi 17 avril 2021, membre secteur privé AFEA, dans le cadre d'un conseil supérieur police nationale spécial. Mais il qui prend pour redresser sécurité PIA, fini avec phénomène kidnapping, non,
Transparence dans gestion ressources l'État, c'est quelques points qui te nan mitan discussion sa yo. Et puis, association patron ak responsable entreprise privée yo qui rencontré et puis discuté avec Premier ministre AI Dr. Claude Joseph samedi 17 avril 2021 en Jeune Sauk-Dil. Et bien, dans rencontre sa, plusieurs autorités dans le gouvernement te présent parmi yo. Directeur général police là, Léon Charles. Directeur police nationale là, te parlé sous série décisions qui prend pour augmenter capacité institution la diriger à. Et puis, bah, garantie, un gros mesi qui déjà prend pour combattre problème insécurité à. Association secteur patronal là, mandé autorité l'État yo pour prendre responsabilité yo pour améliorer conditions la vie population. Hein. L'État doit prendre disposition tout pour punir les gens qui commettent des crimes dans la société pendant l'association en souhaité une solution durable qui joigne le problème pays d'Haïti à traverser depuis quelques temps. Secrétariat général Congrégation Saint-Jacques qui démentit l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui a fait quoi kidnapper a déjà libéré religieux qui t'a kidnappé. Démarche pour y rejoindre libération otage à bras poursuivre entre plusieurs acteurs dans tête l'Église catholique en Haïti. D'après une lettre, congrégation en mettait dehors dimanche 18 avril 2021. Congrégation Frère Saint-Jacques yo mandé tout le monde rete tête frette et puis annoncer la travail pour joindre libération otage. Congrégation a invité tout le monde la prière pour otage capable de sortir dans une situation difficile. Si là. Et puis, plus loin, ministre de Justice et Sécurité publique, le maître Rockefeller Vincent, annoncé un ensemble de mesures qui adopté pour installer un climat la paix et la sécurité dans le pays. Maître Vincent fait connaître l'Ipral entreprendre à travers le pays, une série chita palé avec autorités concernées. Pour empêcher bandi continuer si mais la troublai ak deuil nan mitan population haïtienne en suivre dans affaire justice là longtemps te gagné ministère de la justice et de la sécurité publique longtemps pas gagné ça relé CSPJ donc ça veut dire ni magistrat assis que nous t'ava dit c'est juge ni magistrat debout que nous t'avons dit les parquetiers, yo tout c'est sous compte ministère de la justice et de la sécurité publique. Nous t'ai toujours connu que juge yo gagné un mandat. Soit un mandat de 7 ans, soit un mandat de 10 ans. Et commissaire du gouvernement yo les parquetiers yo amovible. Ça veut dire que commissaire yo yo pas fait carrière dans la justice mais avec loi qui créé CSPJ loi ça lui-même li visé pour CSPJ pour capable coordonner ça les disciplines au niveau des magistrats et assis et debout mais tout ça c'est pour capable gen un pile bandi k'ap kouri kite Port-au-Prince pour capable traverser dans ville de provinciaux pour aller semer le deuil pour aller semer panique et bien pour capable faire famille yo capable crier ça veut dire que nous même n'a profité dit que n'a craser zéa dans vente poule là n'a craser zéa dans vente poule là que tout monde qui t'a va considérer tête yo comme un bandi et bien plutôt chercher et bien trouver un autre profession trouver un autre métier. Autorité dans le ministère justice et sécurité publique et puis Office national identification ONI annoncé qu'il y a plus passé 4,4 millions d'identifications qui déjà produit là-dedans 3 200 000 qui déjà joignent météo à travers le pays. Directeur général ONI Jude Jacques Elibert fait connait résultat si la yo vini à partir des marches rapides ministère justice et sécurité publique te prend pour permettre citoyens qui pat gen baptiste joindre li sans perdre du temps ministre justice et sécurité publique là maître Rockefeller Vincent
encourager sous Bopal officier état civil pour continuer par les citoyens qui n'ont nécessité Baptiste pour permettre de joindre quatre identifications yo pendant lui rappeler service ça yo pas doué payer en suivant bout. Jusqu'à date matin là nous garder rapport là il y a 4,430,720 enregistrements qui fait dans territoire là. Plus de 3,200,000 cartes qui déjà distribuées. Donc sur tout territoire là, dans toute commune yo, avec mobile que nous faisons, nous toujours une carte que nous tant de citoyens viennent chercher pour nous capables de remettre les cartes. Nous prêts pour nous aller au Canada, mais cependant Canada fermé, porte Canada fermé, il n'y a pas de visa pour monter au Canada. Donc aussitôt que vous parlez, nous déjà un équipement qui y aller, nous déjà un formateur qui pourra faire formation. C'est seulement en attendant qu'il y a ouvert, peut-être COVID là, nous ne pouvons pas aller, mais aussitôt que COVID là, il y a levé et il y a un visa, nous pouvons aller pour nous aider mon Canada. Yo. Nous avons un petit problème avec livraison carte là parce que il y a un pile de monde qui peut être bloqué dans le système là pour une raison ou l'autre. Dans le système là, nous voyons que il y a peut-être à peu près même nom ou bien biométrique qui a matché trop près. Donc c'est pour nous faire une vérification avant de retirer dans le système là pour nous remettre les cartes là. Donc c'est ça que fait nous ouvrir une ligne d'oléance 8822 à pour aller et nous mettons option sur ligne là côté où pas même besoin par la bon agent pour nous taper l'information et puis le remettre tout qui ça qui côté carte là pour capable joindre. Est-ce qu'il y a trait à carte d'identification nationale et Baptiste ou Baptiste officier d'état civil yo mieux équipé qu'on y a pour qui ça yo mieux équipé c'est par le fait que tout dernièrement, avec le concours de l'UNICEF, gouvernement lui-même, qui nous gagne à la tête, li, le président de la République, eh bien, par le truchement du ministère de la Justice, de la Sécurité publique, eh bien, gagne 33 motocyclettes qui diffiraient, qui distribuaient à certains officiers d'État civil qui trouvaient dans les zones les plus reculées. Son façon que pour tout paysan capable de trouver Baptiste, puis capable de faire Baptiste, puis capable de signer, puis remettre. Officier d'état civil, ça a trouvé encore 26 laptops parce que nous avons cherché pour nous capables de moderniser ça a eu l'état civil. Officier d'état civil, a trouvé 37 computers et nous avons gagné pour nous capables de continuer le travail, pour nous capables de mettre dans tout l'hôpital des matériels informatiques eh bien pour que le préposé à la délivrance des actes d'état civil le préposé ou du moins nous t'avons dit un officier d'état civil ou bien un clerc qui t'ava délégué à cette fin est capable de délivrer Baptiste dès la naissance de l'enfant. Lundi 19 avril 2021, magistrat yo mette yon bout nan grève yo tap fait depuis mois février 2021 d'après yon note conseil supérieur pour voie judiciaire rend public vendredi 16 avril passé. Décision s'apprend après juge yo réalisé yon assemblée générale 14 avril passé nan tête collée à dirigeant association magistrat. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a mandé magistrat yo pour reprendre travail pour capable rendre justice comme ça doit pendant li mandé tout acteur dans société a pour respecter et puis protéger bâtiment qui gain tribunal yo. Plusieurs associations magistrat dit yo prend note sous assemblée générale membre pour cassation yo fait côté yo pas décidé recevoir serment juge pouvoir exécutif l'anté nommé yo. Nan yon note association magistrat yo publié yo félicité démarche ça pendant yo mandé cour supérieur des comptes à contentieux administratif pour saisir de dossier magistrat Wendell Cocteloa. Association magistrat profite occasion pour voyer mander ministère justice et sécurité publique réintégrer greffier Christophe L'Espérance dans poste. En attendant pour voir exécutif l'insatisfait revendication magistrat yo
Grève là a continué dans tout tribunal qui dans le pays a, toujours d'après notre ça qui portait signature, magistrat Jean-Wilner Morin pour Anama, magistrat Ikenson Edumé pour Renama, magistrat Martel Jean-Claude pour APM, et puis magistrat Michel D'Alexis pour AJUPA. Cependant, pendant journée, ministère Justice et Sécurité publique écrit Christophe L'Espérance pour annoncer les transférer avec même titre l'été gagné dans le tribunal spécial travail. Après décision ministère, magistrat fait connaître, il a concerté pour qu'on ait si y a kembe ou sinon levé grève là. Journal non après poursuivre, amis téléspectateurs, ensemble avec secrétaire d'État formation Maggie Durcé qui annonçait un concours dans l'intention divers jeunes en dans pays sous question référendum ak élection. Concours ça a bien pour l'organiser dans jou kap vinio d'après Maggie Durcé. Secrétaire d'État a précisé, concours ça prend l'occasion pour jeunes yo exprimer yo puis bien sous gens yo comprendre référendum là avec élection yo en dans pays a. N'a invité nous suivre yon bout dans déclaration Maggie Durcé. Premier recueil qui gagne rapport avec thème nan sur la constitution, le référendum et les élections côté recueil ça l'a publié à hauteur de 500 à 1000 exemplaires qui a capable distribuer dans les universités privées et publiques et dans un deuxième temps n'a soumettre toutes les 10 premiers textes n'a soumettre yo bay CCI pour que le référendum nan li fin réalisé lorsque nous va connaître est-ce que c'est oui ou bien est-ce que c'est non. Si c'est oui, pour yon intégrer proposition ou recommandation que jeune yon fait yon, pour yon regarder est-ce que yon capable d'adapter en dans draft nouvelle constitution avant que li entérine pour yon capable de continuer sa gen pour fête avec. Donc nous souhaitons vraiment et bon travail et pour certains, bon succès pour moun qui pral premier, deuxième, troisième jusqu'à dixième. Et au nom de toute instance, tout ministère que nous représentons, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la communication, puisque c'est eux-mêmes qui accompagnent nous là, ministre chargé des relations avec les partis politiques, ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme, et bureau secrétaire d'État jeunesse, et bureau de secrétaire d'État alphabétisation. Donc, nous avons tous, nous saluons nous. Mais remerciez-nous et me souhaitez-nous du succès. Merci. Vous devez présenter li en français entièrement ou bien en créole entièrement ou bon, m'espérer c'est yon y a choisi yon ou l'autre. 7 mai 2021 k'ap vini là, eh bien c'est pour l'inauguration centre culturel qui pote nom Mano Charlemagne qui construit nos communes Carrefour. Président conseil communal Carrefour, Jules-Édouard Pierre, même Jean Akampil, l'autre notable, non commune ça, quoi réalisation projet si là important en pile pour population Carrefour. Pour finaliser travail construction, Jules-Édouard Pierre mandé toute petite commune à tout le monde qui a moyen pour la participation dans le cadre de plusieurs activités qui prévoit pour rentrer livre avec l'argent pour équiper Sant-Sila. Jocelyn Pierre et Michel Joseph, abdino plus dans un compte rendu. Travail construction centre culturel Mano Chalmaïlan a démarré 28 janvier 2020. 14 mois après, projet sa sur route pour inaugurer. Président conseil communal Carrefour, Jules-Édouard Pierre, fait qu'on a une difficulté pour joindre l'argent pour finir travail construction yo et puis acheter matériel pour équiper centre là, cap gen la dan yon bibliothèque cap pote dans yon petite commune là. Avec plusieurs autres espaces. Moi, je recentre sur mon Carrefour, je viens demander à la communauté Carrefour, intellectuels, universitaires Carrefour, professeurs de l'école, directeurs de l'école, élèves, et entrepreneurs Carrefour, je dis que sans que la fin besoin d'inaugurer, pour voter contribution. Et ça fait nous décider pour nous lancer trois journées de bibliothèque et de levée de fonds pour nous équiper ici, là, pour nous payer le boss pour le 17 mai, lors de la célébration du bicolore.
à Carrefour. C'est le plus gros événement à Carrefour, c'est 17 mai. Donc, on a profité de ça pour nous faire l'inauguration. Jude-Edouard Pierre dit qu'il est important pile pour l'État central et les collectivités au plus moyen pour capable réaliser l'autre projet comme ça dans la commune. Il n'y a pas qu'à faire 27 000 gouttes de recettes pour qu'on puisse demander ça pour faire un projet comme ça. Par contre, on met une répartition du budget de l'État, c'est qu'à aider les mairies à faire mieux ou bien faire. Mais il n'y a pas qu'en fonction de richesse qui est dans la commune, comme si l'autre monde magistrat, il n'y a pas de possibilité que comme ça de penser qu'il n'y a pas de valeur. Et c'est l'État qui a choisi une mission de péréquation, assurer que les mairies ont capacité pour aider, pour bailler le service. C'est avec un pile fierté commune n'a pas recevoir sans ça, d'après ancien député Jacques Beauville, qui félicite l'autorité communale pour construction sans ça, cap inauguré dans l'occasion de 108 l'année existence ville Carrefour. Et je profite de lancer un appel aux citoyens de la ville pour qu'ils accompagnent les maires là. Cotisation paille pour permettre centre culturel Emmanuel Chalmay prend vitesse de croisière. Et après 208 l'année, une commune pour Carrefour, une commune culturelle, bastion intellectuel du département de l'Ouest. Et puis je vous dis, c'est après 208 l'année, nous avons construit un centre culturel. Comme c'est un bienfait, il va en tout temps. Plusieurs élèves, lycée Henri Christophe qui t'a visité Saint-Lan, déclaré espace après l'utile jeune écolier et universitaire commune. Ils ont félicité et puis encouragé tout le monde qui peut coller pour travailler au rivé dans Boutio. Il y a un pile de bagailles qui ont été surtout par la bibliothèque là. Et puis il y a un paquet de bagailles qui ont été particulières là pour les jeunes. La salle ça, côté que vous avez une conférence là, vous avez un théâtre normalement, les salles de Piram, parce que nous n'avons pas besoin de ça du tout. Donc je ne veux dire, si le Capouka décide de faire ça pour nous, nous sommes en pile de bagailles. Parce qu'elle a vraiment rapporté les jeunes, surtout dans la partie culturelle là. Projet construction centre culturel Mano Chalmaïlan coûté environ 70 millions de gouttes. Côté majorité l'argent soutient la COP tax, mon kafou payé, à quelques autres notables qui baillent participation payo. D'après président conseil communal Kafoua, Jude-Edouard Pierre montre satisfaction li pour réalisation centre culturel là. Yon centre qu'apprenne vivre en mémoire à pile monde qui t'est servi commune Kafou, en particulier Manou Chalmay, qui fête la commune ça dans l'année 1948. Et qui mourit 10 décembre 2017. Nous avons toujours été dans quatre sujets ça ensemble avec responsable culturel d'Amérique Euphorio qui annonçait 3 journées pour ramasser dons pour ouvrir centre culturel Mano Chalmaïn. Responsable a annoncé pour occasion ils ont levé fonds, ils ont bibioloton à qui ont journée foire agro artisanale sous thème Mon cadeau ma commune. Responsable culturel Lionel Meria invité tout le monde à participer et puis contribuer pour permettre la bibliothèque ça capable remplir. On suit. Nous avons gagné 3 journées grand événement en prélude à 17 mai. Journée ça c'est 29, 30 avril ainsi que 1er mai. Dans journée ça nous avons gagné plusieurs activités qui peuvent permettre que nous générer livres qui va permettre que nous générer fonds pour que nous soyons capables de finaliser et équiper l'espace-là de telle sorte que l'espace-là est capable de fin prêt pour l'inauguration le 17 mai qui a venu là. Nous avons gagné une levée de fonds côté que les gens qui sont intéressés à participer personnellement dans la création et la finalisation de l'espace-là, qui d'ailleurs pas propriété personne pendant que la propriété tout le monde. Parce que c'est comme taxe et impôt, moun qui dans la commune qui permettent que le projet ça réussit. Centre culturel Mano Chalmaïn est constitué sans risque d'être contredit plus gros projet communal pays d'Haïti. Dans même 3 journées d'activité ça on a gagné tout un bibliothon qui pourrait permettre que moun qui gagne un livre là kayo capable permettre livre ça yo disponible pour communauté à capable utiliser yo. Dans même 3 journées d'activité ça tout ou pas seulement des possibilités ou venir ou visiter ou aller, ou pas capable de participer tout dans une foire gastronomique et artisanale, côté que nous avons des artisans qui ont exposé œuvres et nous avons des plats haïtiens qui sont disponibles pendant que vous avez visité, pendant que vous avez rencontré des amis, pendant que vous avez des contributions financières, pendant que vous avez des livres là, mais la foire gastronomique là permet qu'on capable de faire un petit bagage dans la bouche, la permet tout si vous avez des œuvres
des œuvres de artisans qui ont connu encore acheter et revenu ça yo yo pral aller tout dans fond pour qui permettre nous équiper espace là ce culturel là il pas pour la mairie il pas pour magistrat juge qui initial c'est pour commune Jean nous dit dans slogan activité ça mon cadeau pour ma commune il y a plusieurs moyens qui sont disponibles si on monde pas décidé ou bien pas capable déplacer pour venir porter l'argent par exemple on a utilisé plateforme intelligent que yo utilisé pour bailler l'argent tant pour Zelle tant pour Cash App tant pour mon cash quel que soit côté omonier ou c'est haïtien ou bien ou c'est Carrefour ou en Haïti ou bien à l'étranger ou bien moyen pour contribuer institution yo nous voulons sensibiliser yo même tout pour yo participer ou qu'a décidé ou dit ou acheter 2 douzaines livres ou acheter 50 livres ou acheter 100 livres ou qu'a décidé porter livre là ou bien porter l'argent qui acheter livre là nous gain garantie que ça yo y a canalisé vers projet. Eh bien oui, programme planter de l'eau pour récolter de l'eau va lancer officiellement samedi 24 avril 2021 dans le département Nord-Est d'après ministre environnement Abner Septembre. Ministre Septembre définit qui ça qui planter de l'eau à récolter de l'eau ayé et puis parler sur comment li pral servi population. Ministre Abner Septembre a porté plus précision dans micro Serginio Lindor dans émission Mise au point sous TNH. On suit. C'est pour un projet lié, son vision, son programme à longue échéance ou à longue et temporalité et que toute catégorie monde capable d'engager là-dedans. Le 24, on sera à Vallières et non seulement on va pouvoir y avoir un pépinière satellite, mais on est en discussion avec Monix, avec Agro-Action Allemande, avec Concert Action qui est dans la zone, etc. Eh bien, comment travailler nous-mêmes, nous avons venu avec l'autre type d'encadrement pour que gagner différents, étant donné accident relief là et problème de communication qui gagne. Donc, à ce moment-là, sur place aussi, il faut des pépinières satellites et les salles d'encadrement du ministère est là pour accompagner ces pépinières satellites et faire en sorte eh bien, que eux-mêmes et ils sont capables de donner vraiment. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je dois le dire aujourd'hui, la démarche du ministère de l'Environnement, au lieu que nous allons mettre un bureau communal de gestion de l'environnement qui est reconnu dans le nouveau décret organique ministère, au lieu que nous allons mettre dans la ville, on va les mettre dans les sections communales là, côté besoin à y est, pour que l'encadrement son encadrement de proximité. Là, nous sommes dans un programme stratégique planté à récolter de l'eau, comme vous comprenez, par rapport avec toute l'idée de ce dit-là. Ça veut dire que le programme, là, c'est mettre pieds bois dans la terre pour nous protéger le sol, augmenter la pluviométrie espaciale, faciliter un plus gros infiltration de la pluie et puis réduire de l'eau ruissellement sous pentio. Et puis, ça veut dire tout, travailler dans conserver le sol pour stabiliser la terre. C'est ça le programme. Bon, on vous dit tout élément. Yo. D'abord, le choix, c'est d'abord les montagnes de moyenne et de haute altitude. Hein? Deuxièmement, c'est restaurer manteau vert là, c'est sortir les planter. Bois, mais ce n'est pas bois seulement, zèbre, toute bagaille, c'est restaurer manteau vert là. C'est diminuer le niveau de vulnérabilité de la population. Hein? Et on peut être très bien, le Wallan Mornan, la Kaimounio, même si zone dégradé en termes de pas de bois, mais on va pouvoir tout autour de Kaimounio, plein bois, le ceinturer, et bien reconnaître que bois a un rôle de protection. Et troisièmement, c'est rebâtir en économie pour Mounio, et bien plus très souvent, pour les âmes qui ont bois, il n'y a même d'où c'est pour faire caille, il n'y a même d'où c'est pour faire siège, il n'y a pas même d'où c'est pour faire un meuble, mais il y a d'où généralement, et besoin soit manger, soit l'argent pour mettre mon nom à l'école ou santé. Donc, l'économie, c'est une économie qui bâtit sous l'argent. Il faut que vous gagnez l'argent dans le pochon. Or, l'économie que vous gagnez avant, l'écraser. Donc, il faut que nous rebâtir cette économie. Mais c'est redonner à des séries zones, surtout RPDGO, vocation de transit pour certains oiseaux. Parce que nous connaissons Haïti. D'ailleurs, tout récemment, ou semaine dernière, nous avons gagné une réunion ministériel, nous les corridors biologiques de la Caraïbe. Donc, gain des oiseaux migrateurs, eh bien, Haïti, son point de
passage yoyé, eh bien, faut nous rebâtir l'espace. Mais c'est également diminuer perte de l'eau et par différentes technologies qui existaient. Non seulement on a fait plus de l'eau entrer dans la terre, mais il faut utiliser technologie de bélier hydraulique, il faut utiliser technologie de pompe solaire, de impluvium, de citerne familiale, de bassins de rétention et autres. Il faut que nous venions avec eux. Et à ce moment-là, pour nous capables de faire de l'eau venir vraiment richesse. Et enfin, c'est accompagner Mounio pour être capable d'améliorer le cadre de vie. C'est ça le programme, à travers le logement, à travers l'équipement que vous êtes capable de servir, non la biodigesteur, non la toute énergie renouvelable et autres. Donc tout ça, vous prend en compte dans le programme. Non? Et c'est ça que fait acteur qui accompagne la communauté et en fonction de l'expertise. Eh bien, vous parlez comment pour action par eux pour contribuer aux résultats qui sont identifiés et définis dans le cadre de ce programme. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.